Vos conditions physiques, elle a le niveau. Décidez-vous, ça vole. C'est trop tard. Hein. Pour moi, PJ. Allez, je vous les laisse. Et numéro 6, on est d'accord, l'entraînement de Jarno Niskanen part vite. Il s'agit de Belladonna à Dubourg, un jument qui débute au trois montées, mais qui semble remarquable en dedans. Avec Bella JC, on est bien parti également. Numéro 2 à l'extérieur, celle qui était au galop au canter. Betty Griff hésite un petit peu, mais vite remise par son partenaire. On voit la casaque de Richard Westerine, la casaque de Timoko avec le 5, Bonita del Sol, bien placée en dedans. Bientôt le premier tournant avec Belladonna Dubourg, le 6 qui a pris l'avantage. En deuxième position, le numéro 2, Bella JC, alors qu'on a une pouliche au galop, c'est Baïkat Chenu, le 11 au galop. Baïkat Chenu vient d'être disqualifié. Bichenta Dugers a du mal à bien négocier ce premier tournant. Elle se retrouve à l'arrière, le numéro 9, en compagnie du 4 Baraka de Carcy. Et c'est toujours numéro 6, Belladonna Dubourg, qui est en tête avec François Lagadoc. En deuxième position, le 2, Biela JC avec Philippe Machael. La distance, le 5, Bonita Del Sol avec Franck Nivard. Un petit peu plus loin, bon, on a un peu de mal à réagir avec cependant le numéro 10, Bellissima de Loup, Alexandre Brivard, qui fait belle impression. Elle est vraiment très belle cette jument. Le 3 a fait une grosse faute, Betty Griff, elle se retrouve loin désormais à l'arrière du peloton. Betty Griff qui semble avoir des problèmes, et c'est Belladonna Dubourg qui a toujours l'avantage devant Bella JC. Bellissima de Loup, la favorite, est en troisième position avec à son intérieur le 5 Bonita del Sol. Et on retrouve des couleurs avec la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, Fabien Jean, et Bicenta Dugère qui semble maintenant avoir une nouvelle fois une chance de disputer l'arrivée. Toujours numéro 6, Bellona de Dubourg en tête. En deuxième position, Bella JC numéro 2. On vient gentiment avec Bellissima de Loup, le numéro 10, Alexandre Brivard. Toujours bien placé avec le 5 Bonita del Sol, la ligne d'en face, 1000 mètres. 1000 mètres à parcourir en effet pour la même animatrice depuis le départ, c'est Belladonna Dubourg, avec dans son dos toujours Bella JC, Bellissima de Loup en troisième position, le nez au vent, avec à son intérieur Bonita del Sol, Buguette venant ensuite avec Bichenta du Gers, hélas Bellissima du poteau. Et on n'a pas parlé de Bossanova Mazza, mais elle est assez loin, Céline Leclerc, avec Bossanova Mazza, ça va pas très bien. Toujours numéro 6, Belladonna Dubourg pour aborder le dernier tournant qui repart le plus belle. Le 2 Bella JC en deuxième position, Bellissima de Loup passe à la contre-attaque. Attention a également au numéro 8, et toujours pas question du numéro 12, Bossanova Mazza, parmi les dernières. Le 2 a été disqualifié pour des problèmes d'allure, et on est bientôt dans le tournant final avec Belladonna Dubourg qui a toujours le meilleur, le numéro 6 dans son dos, le 10 Bellissima de Loup, Buguette qui fait mouvement, qui est là en troisième position avec dans son dos Birman de Lavaux et Bossanova Mazza qui s'annonce. Oui, qui commence à venir à l'extérieur, la casaque bleue et jaune qui regagne beaucoup de terrain d'ailleurs. Céline Leclerc va disputer l'arrivée maintenant. Nous aurons le numéro 6 attaqué par Bellissima de Loup, Alexandre Brivard qui est attaqué par Céline Leclerc à l'extérieur, Alexandre Brivard contre Céline. Céline pleine piste, Alexandre le long de la corne. Buguette numéro 8, Alexis Garando est troisième, qui va gagner? Céline Leclerc à l'extérieur avec Bossanova de Loup ou Bellissima de Loup, numéro 10, Alexandre Brivard en dedans, et en dedans également Buguette, Alexis Garando qui repart le plus bel. Et c'est Alexis Garando avec Buguette qui va l'emporter. La deuxième place pour le 10, Bellissima de Loup. La troisième place, oh là que c'est serré, mais le numéro 12, Bossanova, peut-être conserver la troisième place devant Bicenta Duger. Espérons pour Céline Leclerc d'ailleurs qu'elle ait conservé la troisième place, parce qu'on a vu que sa cavalière s'était relevée à Bossanova Mazza. Ça va être pointu pour la troisième place, victoire de la rentrante, Buguette qui a beaucoup de qualité, qui n'avait plus couru depuis un moment mais qui était visiblement déjà en bonne forme. Elle gagne cette course à 22 €. Deuxième place pour le 10, Bellissima de Loup, qui s'est très bien comportée jusqu'au bout. Ouais, elle a, semble-t-il, gardé, ouais, c'est serré hein. Photo pour la troisième place entre le 9 et le 12, ça va être elle est jouée les 5 gros numéros. Photo donc pour la troisième.